Et on va pas en faire une histoire comme chaque semaine. La semaine dernière, je vous ai parlé de la Guerre de Bretagne. Et cette semaine, je vous parle de la gare de la Guerre de Bretagne. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. La gare était dans le lotissement appelé les Deux Gares à la Guerre de Bretagne en 1716. La gare a été construite. Elle pouvait accueillir jusqu'à 8 trains ensemble. 8 trains dans la gare, il faut avoir donc 8 trains qui pouvaient aller jusqu'à Rennes ou Nantes. Ils ne pouvaient donc pas aller jusqu'à des Paris ou des Marseille. En 1901, elle a été détruite à cause d'un train qui avait basculé des rails et qui avait donc foncé dans la gare. Comme les travaux coûtaient un petit peu cher à la ville, ils ont décidé de détruire cette gare qui, malheureusement, on le regrette. Et aujourd'hui, ils voudraient en rouvrir une, mais évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Père Castor, raconte-nous une